direction du Québec. Appel en direction du Canada, des Tannans pour 14 km, 33-01, opérateur Rémi qui vous lance appel depuis le sud-ouest de France, en mobile. Ah, je tente le coup, on sait jamais. Alors cette fréquence, la fréquence d'un groupe qui est sur Facebook. CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel en direction du Canada, du Québec, pour le groupe des Tannans. Ça veut pas, ça veut pas. CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui en s'appelle sur la fréquence des kilomètres en mobile depuis le sud-ouest de France, Saint-Émilion. Oui, la ville de Périgueux, les 73-51 à vous, de la part de 14 km, 33-01 en mobile. Voilà, sur la route du Pont, je m'en vais au Pont, à Chidroico. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs kilomètres ou d'autres stations qui ont répondu. De mon côté, c'est très très QRP. J'ai entendu la station de Périgueux là, qui est passée un peu plus fort. La station derrière, de 73-51, voilà, de 14 km, 33-01, 33-01 en mobile. Voilà, sur les environs de Saint-Émilion. Ah, j'ai entendu opérateur Lionel, les 73 Lionel de la part de Rémi. Voilà, ou si tu préfères Dandy 33, 14 km, 33-01. Oui, affirmatif, c'est 100% QSL et en même temps dans la boîte, à Chidroico. Je suis actuellement en train de faire une petite vidéo, mais bon, j'ai pas mal de bruit là dans le couche en même temps avec la pluie qui tombe là ici, car c'est un petit peu la tempête là de mon côté là. Oui.
Bah donc, je ne serai pas jaloux de tes conditions. Hachi, alors je rentre à l'instant même dans Saint-Émilion. Voilà, je viens d'arriver là sur Saint-Émilion et je m'en vais au pont. Ah ma chérie, là je suis en plein dans les QRM là, de Saint-Émilion, là il faut que je me sorte de là. En plus de ça, bon évidemment la propague est là, on va pas s'en plaindre. Mais bon, j'ai de la moustache là, qui doit venir de, je sais pas, de soit de la M, soit de la FM. La moustache étrangère. Là de mon côté, attends, là ça devrait bientôt aller mieux. Voilà, là je suis en train de commencer à sortir de Saint-Émilion, là je pense que ça doit aller un petit peu mieux. Là. Ok, ouais, je disais que là, je suis en train de sortir des QRM et que ça commence à aller un petit peu mieux là de mon côté, là, au niveau moustache et QRM électrique. Ok, bon c'est pas grave, j'ai pas mal de surmodulation aussi de mon côté, c'est pas bien méchant. Les 213-51, toi, si tu arrives à avoir ma copie, et bon QSO, profite bien de la propague. Bon. Comme quoi, on fait pas toujours ce que l'on veut. Ah. Ouais, c'est la propague qui décide, complètement. CQDX, appel en direction du Québec, appel en direction du groupe de Tannan pour 14 km 3301 opérateur Rémi qui vous lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Saint-Émilion. Non, la propague n'est pas du tout tournée de ce côté-là. Là. Ça pourrait le faire, hein, ça c'est certain, mais bon, pas aujourd'hui.
En BLU, pour les novices et en BLU, il faut se promener partout sur les fréquences. Que ce soit en terminaison 0 comme on voit là, qu'en terminaison 5. Tiens, voilà. Bon, au-dessus, c'est pas la peine, et ça serait trop se rapprocher des fréquences en diamateur. Donc, partant de là, je redescends. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur ami, qui lance appel en mobile depuis Saint-Émilion et qui vous propose un QSY sur le 27-515. 27-515, c'est parti pour moi. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur ami, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Saint-Émilion. Des fois qu'on va à la pêche, eh bien ça ne mord pas. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur ami qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Saint-Émilion. Non, quand ça veut pas, ça veut pas. Au fait, là on était tout à l'heure. Aïe aïe. Attention les stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France, Saint-Émilion. Là aussi on peut faire du DX. La propague glacerait sur les départements français que là oui, ça le ferait bien. Parfois on arrive, on entend les États-Unis ou les pays de l'Est. Tout comme en FM d'ailleurs, en FM, ouais, l'Allemagne, ça, des pays de l'Est, tout ça, c'est qui passe aussi. Eh ben. Eh ben voilà, c'est fait. Si j'ai bien compris, Romania. Máš pozdravení z Vedeška, z Kopečka. Ráno
Oh, ça c'est de l'allemand. Comme quoi, c'est dans tous les modes hein, qu'on peut faire du DX. Pour les novices, DX, ça veut dire longue distance. Hein, voilà. Donc, c'est pas. On privilégie ça au mode USB-LSB, autrement dit en anglais SSB ou en français BLU. Mais on peut aussi en faire dans les autres modes. Hein. Maintenant, il est vrai que les modes USB-LSB sont plus propices à ça. Mais il n'y a pas de règle établie sur le mode ou la fréquence auquel on peut faire ça. En BLU, il faut jouer avec le clarifieur. C'est celui-ci qui permet de se décaler très légèrement en réception. Et dénicher comme ça quelqu'un qu'on entend dans un bois bas ou un truc comme ça. Voilà, là je me suis volontairement amusé à jouer avec le clarifieur. Ça se calme un petit peu. Eh bien non. Ah.